encore. Je sais que tu m'entends. Écoute-moi. La forêt t'a mangé, mais une poignée d'hommes t'a redonné un visage. Les descendants de tes bâtisseurs sont toujours là, disséminés alentour. Dans tes entrailles, depuis bientôt 1000 ans, dieux et démons barattent l'océan de lait. On dit qu'ils cherchent l'élixir d'immortalité. Ils semblent l'avoir trouvé à te voir ainsi ressuscité. Entre le 9e et le 13e siècle, s'édifie en Asie du Sud-Est le plus vaste empire que cette région ait jamais connu, l'Empire Khmer. Pierre, bois rares, or, argent, bronze, fer, gemmes, ivoire, hindouisme, bouddhisme, génie militaire et civil, autant de ressources, de courants de pensée et de savoir-faire qui permirent de bâtir une civilisation nouvelle. Durant cette période, une succession de souverains érige de gigantesques temples à la gloire des divinités de l'hindouisme, puis du bouddhisme. Certains de ces chefs-d'œuvre nous offrent une riche iconographie sur les hommes, leurs croyances, leur vie quotidienne, leurs pratiques militaires, leurs instruments musicaux, des inscriptions lapidaires livrent des parcelles de la grande et de la petite histoire. Quant aux Chinois, ils couchent sur le papier une précieuse historiographie. Par-delà ces trésors palpables, demeure un patrimoine immatériel qui nous relie directement à cette vaste période. Depuis la chute d'Angkor, vers le milieu du 15e siècle, moins de 6 siècles se sont écoulés, soit une trentaine de générations, soit encore 15 à 20 relais humains de transmission orale. Bien peu de choses en vérité, à l'échelle de notre humanité. L'essentiel de l'histoire de l'Empire Khmer s'est cristallisé autour de l'hindouisme et du bouddhisme venu de l'Inde, véritables liens culturels et sociaux. Un autre lien intangible unit culturellement les descendants de l'Empire Khmer à leurs ancêtres, les pratiques de la vie quotidienne. Si l'on considère la permanence d'un environnement favorable à la pérennité des modes de vie, il nous est alors permis de remonter le temps en auscultant le présent. Angkor, humblement je me tiens devant toi, au pied de ton grand livre de pierre. Jamais ne me lasse de te contempler, de percevoir la vie de ceux dont tu conserves la mémoire. Je laisse venir en moi les images de leurs descendants, rencontrés au-delà des monts et des mers. Depuis une quinzaine d'années, je parcours l'Asie à la recherche de la mémoire d'Angkor, la confronte aux bas-reliefs, aux inscriptions, aux objets archéologiques. De l'Inde à Bali, en passant par le Népal et l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, je suis les routes de l'hindouisme et du bouddhisme, observe les modes de vie, les outils, les rituels, principalement les pratiques musicales et les instruments qui les servent. De la vie quotidienne de l'époque angkorienne survivent de nombreux aspects. J'en découvre chaque jour au plus profond des campagnes et des forêts d'Asie. Comment expliquer cela? À son apogée, les richesses et les fastes d'Angkor attirent commerçants, religieux et lettrés. Ils affluent d'Inde, de Chine, de Malaisie et des pays frontaliers. Les guerres expansionnistes fournissent elles aussi leur lot de prisonniers. Tous ces peuples contribuent alors à la diversité culturelle et la puissance d'Angkor. Angkor. Hier, j'ai sillonné la grande Indochine, à la rencontre des gardiens de ta mémoire, afin que demain, tes enfants se souviennent.
Rendons-nous tout d'abord sur l'un de mes terrains de prédilection, les confins frontaliers du Cambodge, du Vietnam et du Laos. Ici vivent des dizaines de peuples autochtones, établis sur des hauts plateaux recouverts de forêts. Depuis des centaines d'années, ils vivent en quasi-autarcie. Ils appartiennent à deux groupes linguistiques, le groupe Mon Khmer et le groupe Malayo-Polynésien. Ces groupes ethniques sont les derniers détenteurs d'un patrimoine dont témoignent certains bas-reliefs encoriens, patrimoine matériel, mais aussi immatériel. Ils sont les héritiers de croyances et de pratiques rituelles millénaires, pré-hindouiques et pré-bouddhiques. L'Occident a coutume de les appeler les montagnards. Il est probable que les ancêtres de ces peuples aient participé à la construction des temples d'Angkor. Le texte d'un chroniqueur chinois, Cheu Takuan, qui vécut à Angkor durant un an à la fin du XIIIe siècle, évoque la présence d'esclaves qu'il décrit comme des sauvages venus des solitudes montagneuses. On sait qu'à certaines périodes de leur histoire, les montagnards se rapprochaient des zones de civilisation, mais n'hésitaient pas à s'en retirer pour échapper à toute forme de soumission. Les ethnies appartenant au groupe linguistique Mon Khmer sont de même souche génétique que les Khmer. Leur différence est d'ordre culturel. S'ils sont originellement tous des proto-Khmer, ceux que l'on nomme aujourd'hui Khmer sont le fruit d'une hindouisation par les brahmanes venus de l'Inde vers le début de notre ère. Nous allons maintenant nous intéresser aux extraordinaires bas-reliefs des temples angkoriens. Nous les confronterons aux pratiques des montagnards et des Khmer des campagnes, mais aussi à celles des peuples de l'Indochine proprement dite, celle qui s'étend de l'Inde à la Chine. Angkor, écoute-moi. Je vais maintenant te raconter ce que j'ai vu hors de tes murs. À l'époque médiévale, la tenue vestimentaire des Khmer varie selon leur rang et leur fonction sociale. Les hommes sont presque tous vêtus d'un unique pagne. Dans certaines circonstances, ils revêtent une veste à manches courtes. Les femmes portent une jupe longue. Le texte du chroniqueur chinois du XIIIe siècle nous apporte quelques précisions. Tous, à commencer par le souverain, hommes et femmes, se coiffent en chignon. Ils ont les épaules nues,
Ils s'entourent simplement les reins d'un morceau de tissu. Quand ils sortent, ils y ajoutent une bande de grande étoffe qu'ils enroulent par-dessus la petite. Concernant les étoffes, il y a beaucoup de règles, suivant le rang de chacun. Le pagne est aujourd'hui encore porté par quelques montagnards âgés dans les villages reculés, et plus largement lors des cérémonies rituelles. Les femmes cachent désormais la totalité de leur corps dans une pièce de tissu. Quant au chignon, il a disparu chez les hommes. Il demeure l'apanage des femmes des générations les plus âgées. Les lobes auriculaires, longs et percés, représentaient la norme chez les hommes, les femmes et les divinités. Les bas-reliefs les montrent nus ou ornés d'une infinie variété de pendants. L'archéologie nous en a restitué un certain nombre, en bronze et en or. Les femmes montagnardes âgées portent encore des anneaux et des disques auriculaires autrefois découpés dans des défenses d'éléphants. L'engrangement des céréales, l'approvisionnement des marchés, la construction des temples ou encore la guerre nécessita le développement de moyens de transport des biens et des personnes. Pour les charges les plus modestes, la palanche demeure l'outil privilégié dans le sud-est asiatique. Les charrettes à roues de bois rayonnées n'ont pas changé, elles non plus. Tout au plus, leur usage se limite-t-il aujourd'hui aux strictes nécessités agricoles. Les divertissements perdurent eux aussi à travers le temps. Échecs, luttes ou combats de coqs. Les combats de coqs, autorisés ou non,
sont répandues en Asie. Originellement, il s'agissait peut-être d'un mode de sublimation de l'agressivité des hommes, visant à limiter les règlements de compte directs entre individus. Comme l'homme, le coq est bipède, apprécie les céréales tout en étant omnivore, défend sa famille contre les prédateurs et combat avec ses semblables pour s'approprier un territoire et des femelles. Ainsi, afin de limiter les dangers liés aux conflits virils au sein de la communauté, certains groupes ont préféré s'en remettre au verdict des coqs. Aujourd'hui, ces combats alimentent plutôt un appétit pour le jeu, sans toutefois renier, il est vrai, une certaine virilité. La pérennité du patrimoine matériel s'inscrit également à travers l'outillage et les armes blanches. Le coupe-coupe est l'outil de base des montagnards et des khmers de certaines régions. Il est en quelque sorte le prolongement du corps de l'homme et constitue un symbole initiatique. Lorsqu'un garçon est en âge de travailler, son père lui en met un sur l'épaule. Il s'agit à la fois d'une arme de guerre et d'un outil à tout faire, du gros œuvre ou travaux les plus minutieux. Autrefois, dans certains groupes ethniques, il était courant de prendre en gage le coupe-coupe d'un homme qui avait commis une faute. Le coupable était alors à la merci de son créancier, ne pouvant ni travailler ni manger. Il n'avait dès lors qu'une hâte, payer sa dette afin de retrouver au plus vite son précieux outil. La logique du progrès aurait voulu que les armes proprement guerrières, comme les sabres et les boucliers, cèdent la place aux armes à feu. C'est vrai en partie. Mais c'était sans compter sur les Yang, ces esprits omniprésents et omniscients, dont dépend la destinée de chacun ici-bas. Par cette chorégraphie, les nains du Laos cherchent à se concilier les esprits. On remarquera la formidable similarité de leurs sabres, de leurs boucliers, avec ceux des Khmers anciens. On remarquera également la présence des deux bandes de tissu croisant sur le corps, probablement une protection magique. Quelles étaient les croyances des Khmers médiévaux ? Jusqu'à l'arrivée du bouddhisme et de l'hindouisme, venus de l'Inde dès les premiers siècles de notre ère, l'animisme prévalait partout dans le sud-est asiatique. Toutefois, l'apparition de ces deux courants de pensée n'allait pas totalement éradiquer les croyances millénaires mais fusionner avec elles. Aujourd'hui encore, même les bouddhistes les plus fervents continuent de faire des offrandes à toutes sortes d'esprits. Vivre au contact direct de la nature, c'est accepter de conclure un pacte avec la terre, les animaux,
les plantes et les esprits qui l'habitent. Plusieurs bas-reliefs montrent des hommes aux prises avec des animaux sauvages, attestant, comme s'il était utile de le rappeler, la dangerosité du milieu. Même si les plantes ne représentent pas un danger direct, prélever un arbre, par exemple, requiert l'acceptation préalable des esprits. Il faut prononcer des paroles, parfois faire des sacrifices. La maladie, la mort sont de la responsabilité mutuelle des hommes et des esprits et des relations qu'ils entretiennent. On sait peu de choses des croyances pré-hindouiques et pré-bouddhiques des Khmers. Peut-être ressemblaient-elles aux cultes animistes des montagnards ? C'est probable, en regard de l'archéologie qui fournit un nombre croissant d'objets, encore usités de nos jours. Un bas-relief représente un buffle attaché à un poteau sacrificiel. Le sacrifice d'un buffle, aujourd'hui encore animal totémique des montagnards, se pratiquait à l'époque angkorienne. Dans nombre de légendes, le buffle est considéré comme un homme, possède un nom. Au moment du sacrifice, cette victime dévouée et hautement estimée représente la famille. En échange de cette offrande aux esprits, les hommes attendent en retour santé, paix et prospérité. Karpura Gauram Karuna Mataram Shantara Saram Bhujendra Haram Sadava Santam Hridayara Bhavam Bhavami Sahitam Namami. De nombreuses représentations d'ascètes et de prêtres, soit dans un but décoratif, soit dans un souci narratif, émaillent les murs des temples. Les sadhus indiens ou les brahmanas balinais semblent sortir tout droit de ces bas-reliefs, nous faisant sortir d'un univers monochrome pour pénétrer dans un monde haut en couleurs. Le bouddhisme est la principale religion de l'Asie du Sud-Est continental. Le chroniqueur chinois Chao Takuan rapporte ceci dans son journal à propos des bonzes et des temples bouddhiques. Les bonzes se rasent la tête, portent des vêtements jaunes, se découvrent l'épaule droite. Pour le bas du corps, ils se nouent une jupe jaune et vont pieds nus. Leurs temples peuvent être couverts en tuiles. L'intérieur ne contient qu'une image, tout à fait semblable au Bouddha Sakyamuni. Elle est vêtue de rouge. Modelée en argile, on la peint de diverses couleurs. Il n'y a pas d'autre image que celle-ci. Le temple d'Angkor Wat figure sur le drapeau national du Cambodge. C'est dire son importance symbolique pour le pays. Aujourd'hui, l'architecture angkorienne inspire les bâtisseurs. Les tours deviennent monuments funéraires, les divinités hindouistes gardiennes de tombes, les dieux et démons du baratage de la mer, décorations en tout genre.
l'inconscient collectif réinvestit ce patrimoine. À travers lui, c'est tout le peuple cambodgien qui retrouve sa fierté après tant d'années de souffrance et d'humiliation. Encore. Lorsque la première fois, j'ai parcouru tes pages historiées, j'y ai vu des musiciens, des chanteurs, des danseurs, hommes et femmes. Mon vœu le plus cher fut alors de partir retrouver les sonorités qui avaient jadis fait résonner tes murs. Veux-tu maintenant les entendre ? À une époque où l'Europe chante le grégorien dans ses églises romanes et gothiques, où les instruments de musique sont bannis des célébrations chrétiennes et la danse considérée comme diabolique, les Khmers pratiquent la musique instrumentale, chantent et dansent dans leurs temples pour servir les divinités. Ils ne nous ont toutefois laissé aucune notation musicale. Nous disposons seulement de quelques sources d'informations concernant les instruments et leur rôle. Les bas-reliefs des temples les représentent dans leur contexte fonctionnel. Des textes lapidaires, en sanskrit et en khmer ancien, nous offrent des indications sur les musiciens et les danseuses attachés aux temples. Des fouilles archéologiques livrent peu à peu des instruments en matériaux non périssables. Le texte d'un chroniqueur chinois de la fin du XIIIe siècle relate quelques pratiques. Les instruments de musique représentés sur les bas-reliefs sont liés à quatre domaines. La guerre, les pratiques religieuses, les divertissements, les mythes. Les bas-reliefs présentent de nombreuses scènes de bataille et des processions militaires. Les sculpteurs y ont fait figurer des instruments sonores puissants, destinés à la fois à commander, à synchroniser les manœuvres, à galvaniser les troupes ou encore à effrayer l'ennemi. Tambours, trompes, conques, cymbales ont constitué l'essentiel. Ajoutons à cela les sonnailles des chevaux et des éléphants.
plaques métalliques entrechoquées, grelots, cloches. Pour me faire une idée de la puissance d'un orchestre cohérent, je me suis rendu chez les bouddhistes tibétains. Mais, me direz-vous, quel rapport peut-il bien exister entre une expédition militaire et les rituels religieux des moines? Bien que prêchant la non-violence, le bouddhisme tantrique tibétain a déclaré la guerre au poison manteau, l'avidité, la haine et l'ignorance. Leurs puissants instruments agissent sur tout ce qui pourrait entraver la marche vers l'éveil. L'ennemi est identifié, les armes sont déployées. À l'époque médiévale, l'armée khmer combat également sur l'eau, très certainement sur le lac Tonle Sap, proche de la cité d'Angkor. Des bas-reliefs témoignent de tels combats. Les embarcations sont mues à la seule force des bras. Aujourd'hui, comme par le passé, pagaises ou rames demeurent les seuls outils de propulsion lors des régates organisées chaque année à Phnom Penh pour la fête des eaux. Cette fête célèbre la fin de la saison des pluies. Des centaines d'embarcations s'affrontent en duel, certaines mesurant plus de 20 mètres et comptant 70 rameurs. Les participants viennent de toutes les provinces du pays. Comme en témoignent les bas-reliefs, les embarcations servaient aussi à la fête, investies de percussionnistes et de bouffons. Pour aborder l'instrumentarium musical lié aux pratiques religieuses, il nous faut appréhender la nature des cultes de cette époque. C'est autour du 1er siècle de notre ère
que l'hindouisme, venu de l'Inde, pénètre sur le territoire de l'actuel Cambodge. Les relations commerciales entre les deux contrées semblent être à l'origine de la formation de la civilisation indo-khmère. Au cours des siècles, l'hindouisme, puis le bouddhisme, se sont mêlés aux cultes et croyances autochtones dont nous ne savons que peu de choses. Les bas-reliefs d'Angkor Wat nous informent sur les outils sonores utilisés par les prêtres hindous. Dans cette procession du feu sacré, on les voit agiter des clochettes dont la partie supérieure est surmontée du foudre diamant. Grâce à l'archéologie, nous pouvons aujourd'hui leur remettre ces mêmes clochettes entre les mains. Je les ai retrouvées chez les hindouistes et les bouddhistes de divers pays d'Asie, notamment à Bali, en Inde, au Népal et au Tibet. Ces deux prêtres tiennent un arbre à cloche. Cet instrument, tel qu'il se présente sur le bas-relief, a disparu des usages rituels. Mais, par miracle, j'ai pu identifier des cloches retrouvées lors de fouilles archéologiques. Il suffisait de reconstituer l'instrument et de le faire sonner. La sitar et la harpe, accompagnées de percussions, constituent le socle de l'orchestre des rituels hindouistes. On en retrouve des représentations à partir du 7e siècle jusqu'au 13e siècle. Ces deux instruments sont originaires de l'Inde. Diverses inscriptions mentionnent la présence explicite de danseurs, de joueurs de harpe, de sitar, de cymbales, de percussions et d'autres instruments dont les noms ne sont pas encore identifiés. Il est notamment fait état d'un instrument à trois cordes, jamais représenté chez les Khmers. J'ai retrouvé un tel instrument sur les bas-reliefs de Borobudur, à Java. S'agit-il véritablement de celui-ci? La suite de mes recherches le confirmera peut-être. La harpe arquée a disparu de son pays d'origine. Elle a toutefois survécu dans sa forme originelle, au Myanmar. À l'image des représentations lapidaires, elle y est encore accompagnée de cymbalettes. J'ai retrouvé, chez les montagnards du Cambodge, du Laos et du Vietnam, une survivance de la sitar angkorienne. L'imprécision de la sculpture ne permet pas de déterminer si elle possédait une ou deux cordes. Le manche était probablement en bois ou en bambou, et la caisse de résonance en calebasse. La position de jeu du musicien est au demeurant assez semblable à celle des bas-reliefs. Quelques évocations des pratiques musicales nous sont rapportées par le récit du chroniqueur chinois, Chiu Taquan. Le 8e mois, on danse. On désigne des acteurs, des musiciens qui chaque jour viennent au palais pour faire danser.
Il y a aussi des combats de porcs et d'éléphants. Le souverain invite également les ambassadeurs étrangers à y assister. Il en est ainsi pendant 10 jours. Un bas-relief représente 2 orchestres de divertissement, de structure similaire aux ensembles religieux. On y retrouve la harpe, la sitar, les cymbales. Ici, ils accompagnent des funambules, des lutteurs, des jongleurs, des acrobates. Cette autre représentation montre un avaleur de sabre. Il est accompagné d'un tambour et d'une paire de cymbales. J'ai pu assister à une scène accompagnée par un tambour similaire dans la vallée de Katmandou, au Népal. Un groupe d'enfants venus de l'Inde présentait ce spectacle de rue, digne de ceux des acrobates du Moyen-Âge, en Europe occidentale. Pour les Khmers, la danse est culturelle. Guerriers danseurs et danseuses célestes peuplent leur imaginaire depuis des siècles. Des myriades d'apsaras ornent les murs des temples. Des poèmes sanscrits affirment qu'elles étaient promises dans l'au-delà, aux vaillants guerriers tombés au combat. Mais par-delà la mythologie et le décorum, la danse est fonctionnelle à l'époque médiévale. Elle recouvre 4 domaines. Le service des divinités, la guerre, la fête et semble-t-il aussi le travail. Sur cette scène représentant des bâtisseurs de temples, on peut voir 5 danseurs munis de bâtons,
bâtons avec lesquels il martèle probablement le sol, ainsi qu'un joueur de cymbales sur la droite. Peut-être une manière d'encourager les travailleurs et de synchroniser le geste lors de la construction des temples. Aujourd'hui, les danses cultuelles de l'hindouisme et du bouddhisme se sont raréfiées. On peut toutefois citer les moines tibétains qui perpétuent une tradition dansée bien vivante. Si une forme de danse guerrière perdure, comme nous l'avons vu chez les Ngai du Laos, les Toraja d'Indonésie en ont eux aussi une version bien vivante. Ce peuple, qui pratique encore le sacrifice du buffle, dispose de danseurs rituels pour conduire les visiteurs sur le champ cérémoniel lors des funérailles des nobles. Une scène, représentée à plusieurs reprises sur les bas-reliefs, présente un danseur muni d'un bâton. Cette pratique artistique se situe à la croisée des danses guerrières et de divertissement. On trouve une telle danse aujourd'hui encore au Rajasthan, exécutée par la communauté Bhil. La danse savante des Khmers est la discipline artistique la plus inspirée de l'époque médiévale. Positions, vêtements, coiffures et bijoux sortent tout droit du temple emblématique d'Angkor Wat. Encore. J'ai rencontré les descendants de ceux qui un jour ont été approchés par quelques commerçants ou hommes de foi, aventuriers de leur temps. Ils ont conservé la connaissance. J'ai pu les reconnaître grâce aux images, aux textes de tes grands livres de pierre et aux objets rendus par la terre. Mais il reste beaucoup à faire. Encore. Puissais-je vivre suffisamment longtemps pour exhumer de la mémoire des hommes et des femmes des terres lointaines cette connaissance qui un jour a fait ta gloire, je pourrai alors partir en paix.